Les hommes aussi peuvent simuler un orgasme. Les personnes mariées sont plus susceptibles de se masturber que les personnes vivant seules. Un homme a en moyenne 11 érections par jour et 9 érections par nuit. 70% des hommes regardent du porno, contre seulement 33% des femmes. Les femmes qui sont allées à l'université sont plus susceptibles à avoir des relations sexuelles orales. Il y a entre 500 et 1000 décès par an dus à l'asphyxie auto-érotique. Après les doigts et les vibromasseurs, les femmes choisissent les bougies comme objet de plaisir. La cause la plus fréquente de rupture du pénis est la masturbation vigoureuse. Les hommes qui aident aux tâches ménagères ont également tendance à avoir plus de relations sexuelles. Chaque jour, il y a environ 100 millions d'actes sexuels dans le monde. L'orgasme masculin moyen dure 6 secondes. L'orgasme féminin moyen dure 20 secondes. En dehors de la chambre à coucher, L'endroit préféré des adultes pour avoir des relations sexuelles est la voiture. Pendant 30 minutes de relations sexuelles actives, une personne brûle en moyenne environ 200 calories. Les femmes qui ont des rapports sexuels au moins une fois par semaine ont des cycles menstruels plus réguliers. Avoir des relations sexuelles au moins une fois par semaine peut réduire le risque de maladie cardiaque de 30%, d'accident vasculaire cérébral de 50%, et de diabète de 40%. Il a été démontré que les hommes ayant une vie sexuelle active sont susceptibles de vivre plus de 80 ans. La vitesse moyenne des spermatozoïdes lors de l'éjaculation est de 45 km/h. Un spermatozoïde met une heure pour nager sur 18 cm. L'avocat, connu comme le fruit de l'arbre à testicules, aurait des qualités aphrodisiaques. Les statistiques montrent qu'environ un Américain sur 5 a des relations sexuelles avec un collègue au travail. La quantité de sperme produite à chaque éjaculation est de une à deux cuillères à café. Un homme produirait environ 63 litres de sperme ou un demi-milliard de spermatozoïdes au cours de sa vie. De nombreux chercheurs considèrent la peau comme le plus grand organe sexuel et le cerveau comme le plus puissant. Lisa Sparks, une star du porno, a eu des relations sexuelles avec 919 hommes en 24 heures, établissant un nouveau record du monde en 2004. Les couples en Grèce ont le plus de relations sexuelles, environ 164 fois par an. Le Brésil suit de près avec une fréquence de 145 fois par an. La moyenne mondiale est de 103. Le Japon a la fréquence sexuelle la plus basse au monde. Selon une étude, l'Espagne, le Brésil et l'Italie produisent les meilleurs amants. Les pires amants sont les Allemands, qui, selon les femmes, seraient malodorants. Les Anglais seraient trop paresseux, les Suédois terminent trop vite. Au moins une personne sur cinq utilise son smartphone pendant les rapports sexuels. Selon une étude, 36% des gens vont directement sur Facebook ou Twitter, et non sous la douche, après s'être ébattus dans les draps. Les femmes qui ont du mal à atteindre l'orgasme souffrent souvent de froid aux pieds. Une étude a révélé que le fait de porter des chaussettes chaudes augmenterait leur chance d'atteindre un orgasme. Selon une enquête, 51% des personnes interrogées ont déclaré qu'elles pouvaient rester plus longtemps sans sexe que sans café. Environ 30% d'hommes seraient prêts à avoir des relations sexuelles pendant les règles de leur compagne. Le sexe le plus époustouflant vient généralement du fait d'être amoureux de son partenaire. Une alimentation saine réduirait les pensées sexuelles d'une personne. Ce contenu vous intéresse, et vous aimeriez découvrir d'autres sujets avec nous N'hésitez pas à nous le dire en commentaire.